Les amis, bien le bonjour, on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de Little Nightmare, comme vous pouvez le voir, donc on en était là, le petit bonhomme jeune, toujours, il n'a pas changé, et on va continuer l'aventure, c'est parti. Alors, on en était là, c'est parti, maintenant on commence à connaître un peu les bails, on se fait plus avoir. Toujours aussi beau ce jeu. Hein. Bon, je dirais que là je monte pas. J'aurais peut-être dû monter. Ouais, je vais monter. Attends, je vois peut-être un truc caché en fait. Genre c'est un peu trop grand quoi. Allez. Pas monter pendant 2 heures. Ok, porte ouverte. Putain, je peux passer par... Ok. Plusieurs endroits, j'aime pas ça. J'aime bien que ce soit... On me dise voilà, tu dois passer là, tu dois trouver un énigme ou n'importe dans cette pièce là, mais pas 30 pièces quoi. Il fallait monter là, j'étais en mode... Regardez, en 2 secondes, je vais monter. Ok. Là, je peux pas l'attraper. Ok, je prends la valise. Ah, il est beau ce jeu. J'avoue qu'il est beau. Allez, Oli. Oh putain, il y a des sangles. C'était quoi ça? Qu'est-ce que c'était ça? Et puis le tableau a bougé à droite, je pense que c'était un bug du jeu, mais... Ambiance malsaine! Voilà. Yaha! Yaha! Qui veut du PQ? Qui veut du PQ? Je ne sais pas ce que je fais là, je pense que c'était pas là. Et du coup, je ne sais pas où aller. Une clé? Ben une clé. Ou la porte? Tu me fais chier. T'as la clé? Ou la porte? Donc j'ai une clé. Mais... Mais... Là je m'enlève le PQ. Ah mais je fais juste à rentrer en fait. Parce que je m'emmerde. M'en fous, j'ai la clé! J'ai trouvé la clé. J'ai trouvé la clé. Ah pardon, faut rester appuyé. Excusez-moi. T'as un jeu quoi. J'ai trouvé la clé. La clé du paradis. Putain, il est handicapé un peu ce gosse quand même. Allez. Voilà. Ça c'est beau. Et du coup en bas tout à l'heure c'était quoi? J'ai pas allé. Oui j'ai. Petit singe qui va bien. Ah je préfère le casser. Ok. Donc là, il y a un forger en bas. Où je suis pas allé tout à l'heure. Que petit singe, il va pas vraiment m'aider, je pense. Alors les monter dessus. Non. Ok, donc là, il n'y a plus rien. Si je dis pas de conneries, donc il faut que je retourne. Là, le seul endroit où je suis pas allé, c'est-à-dire en bas, il y avait quelque chose à faire, effectivement. Pardon? Ah non, je suis enfermé. Maintenant, ah, pour lancer un objet que vous portez. Ah, putain, mais je suis con. Bah oui, mais ça va, j'ai pas pensé, ça va. Tout con. Wow. Vous avez mal de mer, hein. Ting! C'est un ascenseur, ça. L'ascenseur du diable. Ah putain, un bouton. Du coup, faut que je reprenne mon ami. Il est où, Georges? Il est là. Viens là. Puis tu regardes dans l'air, espèce de débile. Il est con, ce bonhomme. Là, et tu rebalances ton Georges sur le bouton. Pourquoi tu peux pas l'envoyer maintenant? Merde, j'ai réussi à l'envoyer une fois. Mais hey, tu regardes donc. Ah, faut rester appuyé. Genre, je te prends avec moi, j'ai peur. On se cache, que je sens qu'il va falloir se cacher. Je suis un jouet.
On n'est pas dans un bateau alors. Enfin, je comprends pas où on est. On était à la prison. Alors est-ce qu'on est sorti ou est-ce qu'on est venu d'entrer dans la prison? Allez Georges, on y va. Saloperie de rat. Ah bon mais Georges, oh je suis en train de m'empoisonner. Ah encore un truc, faut que je bouffe. Un rat, j'ai pas bouffé un rat. Et là, m'en fous, j'y vais, je me suicide. Je pensais qu'il y aura un mur invisible, un truc quoi. Merde, et du coup je recommence d'où? Après l'ascenseur j'espère, ouais c'est bon. C'est là où il a faim, blablabla, son ventre, blablabla. Faut que je mange un rat. À bouffer un rat. Bouffe le rat. Oui mais ça va, il y a un petit garçon qui va arriver encore avec un bout de pain rassis, il va te donner à manger. Allez, trace hein. Ah, tu veux pas... Putain, vas-y, allume le feu, allume le feu. Il va pas mourir quand même. Ah bah je fais ce que je peux là, calme-toi. Mais... Qu'est-ce que je dois faire? Ah ouais, ça devient compliqué là. C'est comme ça qu'il court maintenant. Il y a un rat pendu par la queue. Pas le bouffer? Ah bouffe du rat, vas-y, il y a du rat, il y a du rat. Là, là, ah oui, là. Vas-y. Ah, il bouffe de la viande rat. Mais c'est en fait, je suis pas humain, je pense. Hein. Mange. Ouais, je pense clairement que je suis pas humain, quoi. Espèce de viande crue dégueulasse que les rats étaient en train de bouffer, ça me fait du bien. Il y a un truc qui cloche quand même. Wow. Ok. Calme-toi. Calm down. Alors, il m'a enfermé dans une cage le bâtard. Ils vont me bouffer. Ils vont me bouffer clairement, c'est un garde-manger, ça se voit. Il y a... Du coup on est quoi? On est. Allez, lève-toi. Merde, je fais pause. Lève-toi, vas-y, vas-y. Attrape, je sais pas, saute. Ah. Ok. Comme il est rapide d'un coup. C'est trop évident. Moi j'ai vu une entrée, une sortie là, je me casse, tiens, allume une lanterne. Sauvegarde, t'as raison. Pas besoin de... Merde. Ok, je suis dans la merde. Faut que j'aille voir les vilains monsieur. Les vilaines choses, je sais même pas ce que c'est. Yaha. Ah ok. Désolé hein, je te trimballe mais putain y a du sang partout en plus. Putain, on dirait un singe là-bas là-haut, je sais pas ce que c'est. Allez. Je crois que j'allais pas y arriver. Merde, je prends le bouton pour glisser. Ok. Tu veux jouer, on va jouer. Je vais me balancer déjà. Come on. Ouais. Mais encore. Encore faudra grimper. On voit que dalle. Oh une bougie, on peut allumer. Non, je dis à bouger, allumer la bougie, j'ai pas dit. Hein. On peut allumer les bougies, c'est des sauvegardes, les bois. Ok, ça change tant, tant de... Ça grince. Ok. C'est quoi cette merde? Qu'est-ce que c'est cette merde? C'est les enfants qui... Si t'arrives mais tu t'es, t'as un problème hein. Je suis caché, tu me vois pas. Il entend ou il sent alors ce qu'il est là? Je pense qu'il sent. Allez ça passe, vas-y. Et allez, qu'est-ce que tu as? Merde. J'avais une nargue en plus. Il y a une poignée, faut la mettre la poignée là, ok.
Parce qu'il y a lui qui fait du... Putain, faut pas que je fasse de bruit en fait, c'est ça l'idée. Il va où par exemple s'il cavale, d'un coup je dois cavaler moi aussi. Alors peut-être prendre ça et le balancer genre... C'est prenant là hein. T'es, tu vas faire quoi maintenant? Oh. Putain, connard! Je voulais l'ouvrir au maximum. Ok, bon, ça va, on sait ce qu'il faut faire. Il faut juste lui échapper, c'est tout. Allez, vas-y. Yaha! Ronaldo. Donc là, faut pas faire de bruit. Mais si, il me sent. Ok, donc il me sent, mais il m'entend. Il m'entend avec son nez, en fait. Ok, mais lâche-moi. Lâche-moi! Ok, donc faut que je me mette derrière la caisse, que je fasse comme t'es au-dessus de la caisse. Oh, oh. Donc c'est bien un petit garçon, on dirait. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Il est débile, par contre. Non, j'ai rien dit. Ouais, t'as mis la main à travers quand même, quoi. Ok, j'ai eu de la chance, en fait, la première fois où je suis passé. Ok. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut y aller tout, vraiment tout doucement. Mais non, tout à l'heure, je suis allé tout doucement, il m'a senti. Peut-être que j'attends qu'il fasse son... Sa tambouille, là. C'est quoi, j'y vais en mode balai couille. Pas besoin de se faire chier, en fait. Non mais je t'ai caché. On joue à cache-cache. Putain, il est chiant lui. Ok, par contre je peux m'amuser à faire des allers-retours une fois que je suis au petit tunnel là. Je vais faire ça. Bon fou, ouais, ça va ouais. Et là je trace direct, j'ai pas le temps. Moi je trace tout, enfin je trace tout le temps en fait. Je me fais chier. Mais là en gros je peux l'emmerder en fait. Je suis pas là. Ouais, je vais faire ça jusqu'à ce qu'il se barre en fait. Il n'y a plus mon temps, il va se barrer ou d'un. Voilà. En fait. Je me fais chier. Attends, je vais attendre. Le truc va se fermer. Et je prends la poignée et basta. Le truc va peut-être pas se fermer finalement, mais. Si si c'est bon. Ok, là j'ai intérêt de speeder ma race quoi. On va pas me suivre là, c'est bon, on est d'accord. Ok, voilà, c'est tout simple. Eh oh! Calmez-vous là-haut hein. C'est des voisins, c'est des fous. Ma lanterne, on t'a vu, t'inquiète. Yaha, yaha. Allez go, 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 go. On va allumer la lumière, yo. Coupe-toi. Ok, plein de chaussures, ok, on s'en fout réellement en fait de tes chaussures. Oh putain, c'est glauque, vraiment. Je sais pas les amis si vous le voyez comme moi, mais moi je trouve ça... Ah ouais, ok. Il va falloir que je me cache là, à un moment donné. C'est sûr. Rien, un seau, il y a une chaise. Il arrive, le truc arrive sur moi, vite.
Qu'est-ce que c'est, y a une merde en plus là-dedans, ok. Faut que j'aille où? Monte! Ah, vas-y, je peux pas faire 2 mètres là, hein. Je vais pas pouvoir aller jusque là-bas. En vrai, je peux pas. Hein. Attends, là c'est un truc. Je dois attraper une chaussure, mais c'est n'importe quoi ce jeu. Comment tu veux que je fasse? Je vais faire genre le grand saut? Ah ouais, tout simplement, ok. Ouais, plus... yeah, mais la pression quand même, hein. Ok. Oh. Non, je tente pas, j'ai pas envie de mourir. Pas fou non plus. On va voir là-bas si j'y suis. Putain, mais c'est là où je suis passé tout à l'heure en plus, merde. Vas-y, casse-toi, mais casse-toi! Il court plus vite que moi en plus, mais t'es sérieux, vas-y, casse-toi. Ah, la petite boîte, j'aurais dû me mettre dans la petite boîte. Oh non. Est-ce qu'il est fou dans la petite boîte sinon... Faudra que je me mette dans la petite boîte sinon. Je suis pas là, regarde. Je suis caché. C'est quoi ce truc là? Mi-humain, mi-bête, mi je sais pas quoi. Ah, ah, ah. Mais quoi? Mais d'où? Putain, il a un bras, il fait 12 mètres de long quoi. Dalsim on va l'appeler. Ça c'est Dalsim je crois dans, ouais, dans Street Fighter. Dalsim il me semble. Ok donc. On va recommencer le... Je cours machin. Et je vais me caler sur l'autre porte. Parce que la porte après elle s'ouvre, l'autre c'est pas bon. Donc faut que je saute et quand il cherche là-bas faut que je saute en face sur l'autre porte pour me caler sur l'autre porte. Là, je vais le laisser venir. Dès qu'il fouille les trucs, il faut aller sur l'autre porte. Mais je vais faire comment? Comme ça. Tout simplement. Ok. Simplement. Ok, des cubes, encore mon ami le singe. Ok, à part les cubes, il n'y a rien. Donc, dans les cubes, il y a quelque chose. Forcément. Ouais. Ou sous les cubes. J'aurais pas un... Ah, ah ouais. J'ai amené mon petit copain avec moi. Par contre, tu fais du bruit. Donc si y a un vilain monsieur, je t'emmène avec moi. Allez, on y va. Allez. Attends, je t'amène. Attends. Mais là, prends-le. Les bonnes araignées. Merde, je vais faire du bruit avec ça du coup. Ah ah. Toi je t'ai vu. Dégage toi. Bon du coup le singe il va se faire foutre. Il est chelou lui hein. Qu'est-ce qu'il fait que sa cuillère? Ouais bah je t'aime pas. Ah merde c'est bien, faut bien que j'aille là-bas. Ok. Faut que j'aille où en fait? M'explique là? Est-ce que je dois aller? Ok mais quoi? Mais comment? Genre on peut pas sauter
J'ai trouvé. Ok, sauf que lui, il est très... Oh merde. Pour m'attraper là. Putain, comment je fais à froid quand même. Ça va être super chiant, je sens. Ouf. T'as des problèmes au lombaire ou c'est comment? En vrai, je me fais pas chier là. Pareil, je fais le même truc. Hein. S'il me... Il vient là, je me mets là et puis basta. Il m'a entendu. Genre il m'attrape pas. Faut que j'aille où en fait là, parce qu'il y a rien. Je pensais qu'il fallait monter, je suis pas arrivé. Ah il y a un bouton, il y a un bouton, il y a un bouton, il y a un... Ah non c'est une toupie, putain, je voyais un bouton. Ah trop tard. Putain, je sais pas où... Je sais pas, où est-ce que je dois aller? Je ne sais pas, je ne sais plus, allez, on y retourne, putain. Non, non. T'es en train de me foutre de sa gueule, en plus c'est horrible. Allez. Tu ne m'attraperas pas. Ah, il est chaud, vraiment il est pas tranquille là. Ah lui vraiment pas tranquille hein. T'as un joli chapeau monsieur. Qu'est-ce qu'il touche là, on dirait, ouais c'est bizarre, on dirait des trucs ouais. Il est chelou quand même. Bon il a fini lui, allez casse toi En vrai je sais pas où aller. Allez go. Tu m'as pas entendu, tu m'as pas entendu, c'est pas vrai, j'étais pas là. Putain, faut vraiment aller tout doucement, c'est chiant. Ça couine en plus, ça grince son plancher. Ok, on peut rien faire, on est d'accord. Ah, quoique. Pourquoi il me montre la pièce? Ah, sa pièce, j'étais tout à l'heure, putain, je suis débile. Attends, on est malin ou on est pas malin? Mais du coup, est-ce que ce serait pas vraiment un... Non, c'est une toupie, on est d'accord. Hein. Où est-ce que je dois aller, putain? Vas-y, c'est bien là, mais je suis pas arrivé, ça, je suis pas arrivé tout à l'heure. Ah ouais, forcément. Bah ouais, mais t'es con toi aussi. Vite, vite. Putain il est stressant mine de rien ce jeu. Pas tout con mais... Tu mets la pression hein. Fais-moi le briquet s'il te plaît, merci. Tu mets la pression ce jeu. Je suis pas là. Qu'est-ce que c'est? Il y a des pics, il y a des trucs chelous dans ce... C'est chelou. Pas... Qu'est-ce qu'il va falloir faire encore? Là, il va falloir tomber l'armoire déjà, c'est sûr. Elle penche l'armoire, donc il y a un truc à faire avec. Il y a un œil, mais l'œil s'est pas allumé. Mais putain, mais... Qu'est-ce qu'il faut faire? On va réparer l'horloge, je sais pas moi. Ah, faut faire tomber là, ouais, faut faire tomber l'horloge là-bas, c'est sûr. Il y a un truc à faire avec cette horloge, c'est certain.
Mais quoi? This is the question, motherfucker. Allez, fais quelque chose, je sais pas, moi. Pas ni attirer. Mhm. Et on peut pas monter dessus non plus. On prend un coin, hein, quand même. Qu'est-ce que je dois faire? Un balai. Je peux pas faire un fer avec le balai? Je pense qu'il y a un truc à faire avec le balai. Prends le balai. Ok, il n'y a rien à faire avec le balai. Ça, on peut pas le prendre non plus. Non. Ça, pas foutre le feu. Non. Pas le pousser, le tirer, faire quelque chose. Mais je fais comment alors? On peut rien faire, t'es con ou quoi? Ah ben non, faut continuer à pousser, putain, pendant 2 heures, c'est tout. Ok. C'est ce qui me semblait, je me suis dit qu'il va arriver. Tu me vois pas, je suis caché. En vrai, tu me vois pas. Non. Ok, dans cette pièce, quand je fais tomber l'horloge, ça l'appelle du coup. Enfin, ça le fait venir, ok. Donc il faut que je fasse ça et que j'aille me cacher quelque part. Tout dans le genre. Je reviens ici en fait. Je me mets là derrière l'horloge. Genre là. Voilà. Même moi je me vois pas, donc si tu me vois à un moment donné... Je suis pas là, c'est pas moi. Eh, trop lourde l'ambiance, vraiment. C'est quoi ce délire? Il est où, espèce de machin? Oh putain, mon dieu. Ah, il aime pas ça, t'aimes pas ça? Ah non, ok, dès qu'il fait ça, faut que j'avance en fait. Sonne vite. Non, mais non. Il a des spasmes, mon joueur, en plus. Ouais, putain. En fait, faut que j'attende. Ok, je pense pas qu'il me suivrait ici, mais... ok, on recommence, ça va, c'est facile. C'est facile. Oh non, putain, allez, vas-y. Tout refaire. Mais genre, vas-y. Putain, pas perdre 3 heures à faire ça. On recommence. Ne bouge pas. Non, calme-toi. Horloge, tout. Merci. Horloge, s'il te plaît, vite. Oh la synchro.
tout doucement. Oh non, qu'est-ce que je dois refaire ici? Je crois qu'il est en train d'arriver. Allez, tu passes là, ça va, putain. Ok. Mais encore. Oh putain, le piano. Redescends. Moi, je sais pour redescendre du coup sans mourir. Hein, comme ça. On est bon ou on l'est pas. À un moment donné. Non. Qu'est-ce que je dois faire? Grimper là? Ah, ok, on peut grimper. Ah, facile. Ok. Là, on va allumer cette petite bougie parce que c'est joli la bougie. Il m'a entendu. Le fils de pute, il m'a entendu. Il va grimper d'un coup, genre en mode araignée. Même pour chasser, ça va me faire stresser. Il a fait tomber les livres. Lui. Mais putain, fais pas de bruit. Oh merde. Putain, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? T'avais pas un rendez-vous? T'avais un rencard, toi. Allez, casse-toi. C'est où la manivelle? C'est possible, elle est pas devant. Et ça, c'est pas gentil. Faut aller chercher une manivelle à l'autre bout de la planète, que je la ramène ici. Il est chelou. Qu'est-ce qui s'est passé là? Comment ça? Ah ok, c'est juste pour me montrer qu'il faut aller là-bas quoi. Mais comme je suis malin... Peut-être pas tant que ça en fait, parce que du coup je fais quoi là? C'est la manivelle? Non, c'est pas la manivelle ça quand même. Ça, tu vois que c'est ça la manière. Mais comment je fais pour un... Mais déjà lui, hein. Faut qu'il se détende quoi. Là il y a une bougie. C'est pas ça la manivelle quand même. Ouais, là-haut. Qu'est-ce qu'il fait? T'achètes-toi des yeux quoi. Faut que je monte de son côté là. Ah non, mais je vais mourir en fait si je saute là. C'est ça la manivelle vraiment? Comment je fais pour descendre déjà de là? Ok. J'ai réussi à descendre en mode silencieux. Mais ouais, le livre qui apparaît tout seul. Quoi. Je vais allumer ça, je m'en balèque. C'est pour brûler tes livres, monsieur. Ah, je peux monter la merde. Bah du coup faut que je le suis en fait, c'est ça l'idée. Mais il va me défoncer en fait. Ah. Tu peux pas m'attraper. Si si, il est pas 3 mètres, je peux m'attraper en vrai. Ah mais non, mais tu vas m'attraper là, tu veux que je fasse quoi là? Mais vas-y. Y'a pas la manivelle là? Y'a la manivelle, putain. Genre il me voit pas. Ah merde, je peux passer, putain, j'attendais pour aller chercher la manivelle moi encore. Et là. Attrape la manivelle. Ok, maintenant je passe par où que ta manivelle là, parce que... Ah, il faut que je fasse du bruit pour qu'il vienne. T'es sérieux? Je fasse du bruit. Qu'il ouvre la porte, du coup je laisse la manivelle vers ici. Non mais c'est abusé. Allume la télé, je parle allume la télé. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. C'était tellement évident. Pour un iPhone. Ouais, il va venir, non? Allez. Comme il m'entend pas. Mais tu m'entends pas en fait, va te faire foutre. C'est bon, je vais, c'est bon. Allez, tu vas faire quoi? Va de l'autre côté, vas-y, hop là, moi je vais là. Là par contre je suis dans la merde. Là je pense que j'ai déconné, j'aurais pas dû courir. Il va aller plus vite que moi. Attraper, il va me défoncer. C'était où? C'était là? S'il vient là, je saute. Hein. Je saute et j'essaie de m'attraper au livre. Je sais pas comment, je me démerde. Il se casse, putain.
Alors du coup, quand je vais faire ça, ça va faire tomber le... remonter le piano plutôt. Imagine que lui il va arriver aussi. T'as éteint la télé, hein, normalement. Il arrive ce fils de pute. Ya, je suis trop con. Mais il est arrivé, j'ai eu peur, putain. Ça casse la couille. Je vais me remettre là, ok, ça va, c'est un moindre mal entre guillemets. Putain, t'es sérieux. Faut attendre qu'il revienne ici à chaque fois en fait, je pense. Plus pour l'iPhone, je vous dis, regardez. Ça se voit. Ah mais genre, j'ai même pas bougé là. Mais genre, j'ai même pas... ça va. En vrai, je cavale, je m'en fous, je cavale. Je cavale et j'attends qu'il reparte à éteindre la télé. Ah, ça sera le plus simple, parce que là, faire tout doucement, c'est bon. Si, ah, t'as fait un cauchemar. Ouais, le mec t'a légèrement bouffé en fait. Allez. Putain, mais c'est, je vous jure, il est morbide. Franchement, il est morbide ce jeu. Il y a un passif derrière, il y a quelque chose. C'est obligé. Pour ceux qui connaissent Feld Up, si vous ne connaissez pas, allez voir sa chaîne, elle est très bien. Il traite de trucs paranormal, enfin pas forcément paranormal, pas paranormal, je dis des conneries. Un peu étrange, un peu défait. Et franchement ça me fait penser à ça. Genre ça pourrait en être quoi. Un phénomène un peu bizarre, un peu... Enfin je sais pas, je sais pas, il y a une ambiance super, super glauque. Mais malsaine en fait. Le piano, putain. Yaha, 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 je me casse. Voilà, dans les poubelles, allez, c'est parfait les poubelles. Et un wagon, oh ça par contre ça pue. Et pff, ça explose. Ah ça pue, on est, si je passe je meurs. Clairement si je passe je meurs, donc... On va pousser le petit chariot. Genre il part tout seul. Je sais pas comment, faut que j'aille de l'autre côté, c'est chiant. Allez pousse. Quoi? Que j'ai eu peur. Allez grimpe. Ça va, j'ai joué au jeu vidéo, t'es pas né petit. Oh il va tout seul, vas-y. C'est pas un bouton ça. Ah faut qu'il revienne. Allez, viens là. Putain faut tout faire ici hein. C'est incroyable. J'ai la chanson en tête de tout à l'heure. Allez grimpe. Petit sauvageon. Yaha! J'ai crois, je suis tombé. J'ai crois, j'ai 6 mois. Oh putain, c'est débile. Ah non, vas-y, je vais pas repousser ton chariot de merde là. Putain, ouais, c'est parti. Allez. Oh ça va. Allez. Ok. Donc là on y va pas comme un sauvage. On reste accroché à la portière. Voilà. Et là on tombe. Ok. Là ils vont me faire tomber, il va y avoir un truc. C'est obligé, ça pue la merde. Même pas. Ok. Quand on s'y attend, dans le jeu il n'y a rien, mais quand on s'y attend pas, il y a de la merde. Il y a un rat crevé. Ok, il y a quoi, il y a un trou? Allez, passe. Putain.
Non mais non, je suis débile en fait. Nique ta mère. Il m'a fait peur en vrai. Il est encore là cette espèce d'abruti avec ses bras de 3 mètres de long. Faut recommencer nous par contre. Ah ça va. Faut recommencer au chariot. Hein. C'est bon. Donc on a compris que là il y avait des trous, il y avait un million monsieur. Et comment savoir quand est-ce qu'il est là? Ok, c'est automatique. Oh, je te crame la main moi. Mais y... Oh, l'image est belle par contre. Oh, c'est stylé, c'est putain de beau. C'est bon, je suis pas là. C'est bon, mais je... Faut que je passe là, en vrai? Mais je passe pas hein, si tu continues à faire ça en fait. Là ouais, quand tu mets la main en haut, je fais une glissade ou je vais tout doucement? Je vais aller tout doucement, il va m'entendre sinon. Mais genre, faut que je fasse ça, sérieux? Oh là là. Ok. C'est quoi ça par terre? C'est du popcorn? Putain, je suis encore dans les poubelles. Je me suis mis au coin. Mais non, mais genre. Vas-y. Ça va, tu m'as pas entendu ni vu là, abuse pas. Ok, donc faut cavaler en fait, ça l'idée. Il me rattrape en fait. Ok, bien pensé. Tu vas faire? Moi je sais pas quoi faire non plus. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rien faire, regarde où je suis. Allez, dégage. Je vais tomber. Comment je fais ça? Merde! Faut que j'aille où? Dans la poubelle, peut-être quand il... Ah je sais pas. Dans la poubelle, on va essayer. Ah bah je suis déjà dans la poubelle. Bon je monte là. Mais genre il me... J'ai pas le temps en fait là. Si bien c'est qu'il me faut recommencer de là déjà, c'est pas mal. Où est-ce que je vais? Je vais rester là et quand tu vas venir, je vais descendre. En fait ça faut que j'esquive. Il y a un truc qu'au bout d'un moment ça va casser, il va se le prendre sur la gueule. Vas-y, prends-toi sur la gueule le truc. Alors en fait je crois que ça va durer une heure, en fait je pense que j'ai un truc à faire en vrai. Peut-être que j'aille voir la grille, que j'aille enlever ce qui le tient en fait. S'il maintient la grille, je pense que c'est ça. Ouais putain c'était ça. Au cas où je me casse parce que je le sens pas lui. Non il y a encore une barre à enlever, t'es ça? Ok ok ok, ça va ça va ça va. T'inquiète t'inquiète j'arrive. C'est bon vas-y enlève ta main, enlève ta main, enlève ta main, enlève ta main, j'arrive. Vas-y. Allez, ça dégage avec tes grandes mains là, qu'est-ce que tu... Non, non, non. Il m'a fait flipper le bâtard. Je suis qu'il allait me choper, que j'allais crever là. Voilà, ça, ça dégage, allez, un méchant de moi. Hop là, qu'est-ce que tu vas faire? Allez, ça dégage. Un peu de lumière, s'il vous plaît. Et voilà, le repère. Ouh. C'est un peu plus chaud quand même, hein. Bon voilà les amis, on s'arrête là pour le deuxième épisode qui est un peu plus intense, un peu plus... ouais, il y a plus de rythme et un peu plus dur par contre hein, cette fois-ci. Donc, mais toujours aussi prenant, toujours aussi beau, regardez comme c'est beau, franchement c'est... Juste ça, je trouve ça, je sais pas, ce cadre-là, je trouve qu'il est... Je sais pas, côté un peu sombre, un peu dark, mais... Bon, c'est malsain, hein, honnêtement, on voit que c'est malsain, j'ai hâte de connaître l'histoire. Mais c'est malsain, mais c'est prenant quoi, c'est prenant. On s'arrête là pour le numéro 2 et on se retrouve bientôt pour le numéro 3. A plus les amis.